Ça a été fait jusqu'en juin 2021, jusqu'au 30 juin 2021. À partir du 1er juillet 2021, la PIL nous a fait savoir qu'elle ne réglerait plus les loyers. L'explication qui nous a été transmise, c'est qu'elle est financière. Ça coûte de l'argent à la province des Îles, que le travail de suivi social avec les familles a été effectué, qu'ils ont rempli les termes du contrat. Donc c'est pour ça qu'ils souhaitaient mettre un terme à la convention. Alors, le loyer plus les charges de ces familles sont pris totalement en charge par la SIC depuis le 1er juillet. Les factures sont éditées mais personne ne les règle, donc c'est la SIC qui les prend en charge. Et indirectement, si c'est la SIC qui les prend en charge, ce sont ses locataires qui prennent en charge le loyer de ces familles qui subissent en fait cette situation. Nous, sur le terrain, on continue le travail d'accompagnement des familles. On a une personne toujours qui est dédiée au suivi, à l'accompagnement social de ces familles pour la constitution de leurs dossiers, pour faire en sorte qu'elles puissent bénéficier des aides sociales, pour qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes. Là, aujourd'hui, la SIC, dans sa position, on ne vous demande pas de sortir de la maison. On sait très bien que là, en fait, vous êtes arrivé par rapport à un sujet bien précis. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de vous accompagner pour pouvoir faire en sorte que vous ayez une autonomie. Elles ont l'impression de ne pas être reconnues socialement. Donc, ce sont des personnes, en fait, qu'on a... Moi, je regarde comme ça en résumé, on les a déplacées. Elles ont été déplacées donc de force, mais que nous, on a fait la démarche pour pouvoir accueillir, pour avoir assuré un toit sur la tête, mais que derrière ça, dans le vivant de chacun, eh bien, c'est difficile parce qu'en fait, elles ne se sentent pas, on va dire, à l'aise à la maison. Les familles, il ne faut pas oublier qu'elles viennent au départ suite à un événement. Quand je les rencontre, certains, aujourd'hui, pour moi, ont besoin d'un accompagnement psychologique. Non, parce qu'il y a un traumatisme que là qui n'a pas été refermé. Il y a une blessure. Dans la culture mélanésienne, la culture kanak qui ne connaît pas ces aspects-là de la psychologie, eh ben, comment elle fait face à ça? Ça, c'est nouveau. Hein. Je vous dis franchement, c'est nouveau cette partie-là où comment la personne réfléchit sur elle-même de ce qu'elle vit et de savoir qu'elle est dans une problématique. Elle te fait dire que là-bas, elle n'a plus de maison, puis toi, elle t'est volée aussi. Ce qui est à l'intérieur, ça a été volé, même son cochon. Et elle avait son aide de... Elle vieillesse de la province des Îles, mais voilà, ici, ça a été coupé, donc là, il faut refaire des papiers en province sud pour ça. Ah oui, ben voilà, elle est handicapée depuis longtemps déjà. Et puis voilà, elle ne peut pas marcher, donc elle a besoin de moi. C'est les petits-enfants, mais voilà, il y en a qui travaillent. Et puis, il fallait quand même quelqu'un qui est habitué pour les démarches sur Nouméa. Ça a changé ma vie, tu vois, ici à Nouméa, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai pleuré, tu vois, l'émotion, voilà. Et après, ma cousine m'a dit, il ne faut pas faire ça, il faut que tu passes vers l'avant. Tu verras vers l'avant, Marie, tu vas oublier tout, Marie. Voilà, c'est ça qui m'a encouragé, tu vois. Marie, c'est gratuit là-bas, tu peux faire la paix, tu peux faire... le champ, tu peux cueillir des bananes et puis des... voilà. Ici, c'est toujours à me réveiller à 5h du matin pour chercher le travail. J'ai
déposer ses CV tout partout, tu vois. Et voilà, du coup, ben, j'ai réussi à trouver un travail ici. Pour moi, je crois que je veux vivre ici. Mais après, je peux retourner à Marais pour... Voilà, là, à Marais. Pour... Juste un petit champ comme ça, ben, je repense à Marais. Ils ont mieux à Marais, c'est chez eux. Ils ont des petites cultures. Elle là, à cet âge-là, il y a deux... Elle faisait son pain toute seule. Après, elle a appris à ses petits-enfants. Ils se débrouillaient comme ça. On espère que ça va bien aboutir. Ce sera réussi, la démarche. On ne sait pas. Après, ça dépendra de la province sud. Voilà.